Il est né le divin enfant, joué de boire et donner musette. Un petit retour de course pour ce vlog masse. Nous sommes lundi. J'ai pris des fruits et légumes, trois poireaux. J'ai pris environ un kilo de. Ouais, peut-être moins d'un kilo. Ouais, moins d'un kilo de clémentine corse. Il y avait trois. Alors, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est des. Je sais pas. Je les ai comptées comme des clémentines italiennes. Parce qu'elles ressemblaient pas aux autres. Enfin, je demande à Marie-Noël. Voilà, donc ça, il en restait trois. Deux oignons jaunes de cette taille-là. J'ai pris des endives de cette taille-là. Vous voyez, elles sont petites. Mais peut-être que je vais les faire braiser. Moi, j'aime bien avec dans un petit peu de beurre. J'ai pris deux navets violets, des carottes lavées. J'en ai pris cinq, je crois. Alors, je vous ai montré les poireaux, mais je les ai coupés pour que ça rentre dans mon scooter. Donc, ça, je vais m'en servir. Un bloc de tofu nature, artisanal et local. Voilà. Ah! Ah oui, celui-là, il est fumé. J'ai pris un. Ah oui, le fumé, il est plus cher que le nature où ce serait bien une erreur d'étiquetage. Donc voilà le fumé. Du ketchup pour Monsieur Fred. Deux yaourts comme ça, artisanal et bio de la ferme de la Fromentellerie à Pessy. Voilà, à la griotte. Un bocal de poivron rouge grillé. Pour, je sais pas quoi faire. Je sais pas ce que je vais faire avec ça, mais je pense que sur des tartines ou dans un cake ou sur une pizza ou en tartinade ou enfin voilà, il y a plein d'idées. J'ai du crémant de Bourgogne rosé. Je précise, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Non, ne consommez pas trop si vous voulez vivre longtemps et heureux et en bonne santé. J'ai repris un sérum anti-rage. Ah ouais, parce que plus on vieillit, plus on est. Un sérum anti-âge Enduro. Voilà. Pour pas manquer. Shampoing des savons Arthur. Oh, ils sentent bon. Ils sentent bon, ce. Ah, oh, c'est un citron acidulé, fruité. Et il est très très bien, ce shampoing solide pour. Il n'emmêle pas les cheveux, il fait des cheveux tout soyeux, tout soyeux, etc. On l'aime beaucoup avec Fred. Vu qu'on avait fini le bébé cadom. Ouais, j'ai horreur d'avoir plusieurs. D'avoir une tripotée de savon, de gel douche entamé. Donc c'est pêche groseille, c'est pas bio, mais c'est la belle cœur bleu blanc cœur. Pour moi et pour cuisiner, mais je le prends rarement pour cuisiner parce que bon, quand même il coûte. Beurre cru, demi-sel, un encens pure huile essentielle certifié bio, patchouli de la ferme de Paula. Je sais plus dans quel vlog je vous en parlais, elle fait aussi des savons. C'est de la communauté Euroville. Ouais, c'est ça, en Inde du Sud. Il sent bon. Il y a une adhérente de la Copcotte que je connais très bien, qui s'appelle Claire, qui sent un patchouli, mais d'une qualité. Juste, j'ai jamais senti une odeur de patchouli si envoûtante et si. Et à chaque fois que je la vois et que bah, je la sens, du coup. Elle sent le patchouli, mais vraiment le. Ça, vraiment, oh, c'est suave, mais sans vous agresser le nez, comme ça vous enveloppe. Et à chaque fois, je lui dis que oh, j'ai clair, j'ai envie de te bouffer, quoi. Mais vraiment. Voilà. Et celui-là, il se rapproche vraiment de son parfum. Va me prendre pour une folle, si. Des sacs 30 litres. Petite dédicace à Elodie Moitou, escargot au pralenais.
Je les adore aussi. Je crois que ça fait partie de mes chocolats préférés. La deuxième bouteille de Limomo. Voilà. Une autre bouteille pour les fêtes. Voilà, du Morgon. Il est très 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 bon. Très 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 bon ce vin. Il est sans sulfite, je crois. C'est celui-là sans sulfite ou c'est l'autre sans sulfite? Non, c'est l'autre sans sulfite. Il est un peu plus cher. Je le répète, dites-moi dans les commentaires ce que je dis. Paraît-il que maintenant, ce qui fait monter l'algorithme de vos vidéos, c'est de répondre à une question et de mettre le truc en commentaire. Je crois que c'est ça, parce que tous les youtubeurs le font maintenant. Dites le mot nanana en commentaire. Donc, on dira quoi? Sans sulfite. Ah non, je crois qu'ils le disent à la fin. Pour tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, et comme ça, bah, l'algorithme, il voit que les gens ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Mais c'est bientôt la fin, il reste deux produits. La chips de Clémence, à défaut d'autre chose. Chip artisanal. Tu réagis à la chip? Ah bon? La chip à la truffe? Le packaging est super beau. Bah, on paye aussi dans le prix, mais... Très très bon. Mais ils auraient pu en forcer encore un peu plus sur la truffe. Hein? Mettez-en, vous dites que c'est à la truffe. Paf! Le premier parfum, tac! Le goût, tac! C'est truffe. Et le dernier petit truc, ça paraît, c'est pour notre soirée Noël au théâtre. J'ai pas pris le temps de cuisiner, je voilà. Ah, j'avais pas vu que c'était un assortiment en fait. Donc des... Comment ça s'appelle ça? Ah bah, il n'y a même pas le... Ah si. Des... C'est marqué dessus, n'importe quoi. Des papillotes... assortiment de papillotes. Alors, il y a... Il y a crème et je sais pas quoi. Il y a praliné. Non, attendez, je vais vous dire. Il y a praliné enrobé d'éclats d'amande au lait. Praliné aux éclats crêpes croustillantes au lait. Ça va être bon ça. Cœur fondant blanc aux éclats de biscuits cacaoté. Donc il y a 400 grammes. C'est assez cher hein, les papillotes. Hein. 9,60 on les paye. Et ben voilà, écoutez, on a fini le retour de course. Non, faut que je vous montre. Vraiment, faut que je vous montre. Regardez. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux de la chips? Mais t'as mangé déjà, je t'ai donné ton repas. Hein? Ah bah regarde. Tu me fais remarquer que... Là, derrière... Hop là, derrière le chien, il y a trois rouleaux de PQ, j'allais dire. Hein, si on s'essuie avec ça, on va avoir des problèmes. Trois rouleaux de papier cadeau. Parce que, comme je vous disais, je ne sais plus dans quel vlog, que souvent, je fais mes paquets cadeaux toute seule pour les petits et les moyens cadeaux. Mais pour les gros, voilà, j'ai une vie hein, à côté de faire des paquets. Donc, j'ai... J'ai acheté trois... alors celui-là, je l'ai pris parce que vous voyez, il était ouvert comme ça. Donc je l'ai pris. Alors, il est un peu... Comment dire? Il est noir. Voilà, noir. Et il y a des petits filaments dorés dedans. Des petits points microscopiques. Mais tellement microscopique qu'on les voit pas. Vous voyez, comme ça. Oh, il est beau, mon cadeau. Voilà, il y a celui-là. Allez, celui-là. Dites-vous bien que toutes ces courses-là, là... Oh, ça tombe, ça. Hein? Toutes ces courses-là, là, j'ai mis ça dans mon scooter. Oui!
Un comme ça avec des sapinous. Blanc, il est fond blanc et les sapinous sont dorés. Enfin, vous en avez rien à foutre en fait. Je sais pas pourquoi je décris. Et ça, c'est noir avec des petites étoiles. Voilà, 1,65. Le rouleau de PQ, bien sûr, rouleau de papier cadeau. Je vais y arriver. Et il fait 12 mètres sur 70 cm. Mais non, pas 12 mètres. Il fait 2 mètres sur 70 cm. C'est une belle bête déjà. On a des belles bêtes à la Copcotte. Je suis ta marionnette. Et se prendrait pas un petit chocolat de Noël. Vous en voulez un? Vous en aurez pas parce que vous n'êtes pas avec moi. Enfin, physiquement, vous n'êtes pas avec moi. Tant pis pour vous. Mais je suis sûre que vous aussi, vous avez acheté des bons petits trucs pour les fêtes. Et pas que. Hein. Là, le sel, c'est pour maintenant. Je vous raconterai dans un prochain chapitre ce qu'on a prévu comme un menu à Noël avec mes frangins et ma mère. J'ai la flemme de retourner sur le scooter. Il fait 3 degrés. On se les pèle, mais. Je préfère qu'il fasse 3 degrés sur le scooter et qu'il ne pleuve pas que de la flotte. Ce qu'on a eu octobre, novembre, décembre. Pour l'instant. Ah bah, je suis comme tout le monde, hein, je pense à mon confort. Hein. Mais par rapport à Fred, j'ai toujours eu de la chance et je suis toujours passée entre les grosses averses. Moi, je suis jamais rentrée. Une fois, je suis rentrée vraiment mouillée. Même pas, même pas. Lui, il est rentré plusieurs fois, trempé comme une soupe. Ça goûtait de son truc. Oh. Et il a 45 minutes de route, Fred. Imaginez. Ah, le désavantage que j'ai avec le scooter, c'est quand il est ras la tronche comme ce soir, quand j'ai plein de courses dedans, il est beaucoup beaucoup moins stable. Et quand je fais du remont de fil, je suis pas du tout stable et enfin pas du tout. Je suis vraiment obligée de me servir de mes pieds en même temps et ça c'est pas, j'aime pas. Sur le paquet de patchouli, là, il y a marqué là, très apprécié des jeunes, cette huile est tonique et régénératrice. Je suis jeune, que voulez-vous? Le temps n'a pas de prise sur moi. Non, aucune. Allez, bah, je crois qu'il va être temps que j'aille au théâtre. Je crois que je vais même être en retard. Je vous remercie, hein, de m'avoir suivi. Je vais monter ce vlog peut-être cette nuit, tiens, si je fais une insomnie. Oh, bon, dis-toi pas ça, s'il te plaît. Ouais. Bon, allez, on parle d'autre chose. J'ai été ravie de présenter ces courses. N'hésitez pas à vous. Pour que j'ai plus de visibilité. Hein? À votre bon cœur, comme on dit. Voilà. Allez, je vous laisse. Ma tarée. Et je vous dis à très, très, très vite. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Soin, soin.